Bonjour à tous, nous sommes dans une ville bavaroise située sur les bords du Main qui compte parmi les plus belles cités d'Allemagne. Ses principaux points d'intérêt sont ses deux châteaux, ses églises, son vieux pont ou encore sa mairie. Suivez-moi dans cette vidéo, je vous dis quoi voir et quoi faire à Würzburg. Nous commençons la visite par un patrimoine inscrit à l'UNESCO, la Résidence. Ce super palais baroque est l'un des plus grands châteaux d'Allemagne. Dommage qu'il soit strictement interdit de photographier l'intérieur. Nous avons choisi de ne voir que les extérieurs. Ces immenses jardins fleuris s'étalent sur plusieurs niveaux et sont ornés de nombreuses statues de bambins. Construit au début du XVIIIe siècle, ce palais constitue un véritable joyau de l'architecture européenne et certains le comparent même à Versailles. Dans le centre historique, nous avons constaté que les statues en bronze sont nombreuses et que cette région de Bavière est profondément chrétienne avec un grand nombre d'églises. Nous avons aimé la place de la mairie avec ses fontaines et ses bâtiments historiques. Autre point d'intérêt, ces maisons rococo richement ornées. À l'heure du déjeuner, nous avons erré un bon moment pour trouver un restaurant qui nous convienne. Nos efforts ont été récompensés avec une excellente adresse. Würzburg a une longue tradition vinicole et c'est sur le plus vieux pont de la ville que les visiteurs apprécient une dégustation. Ce pont du 15e est très pittoresque, avec la vue sur la ville, le fleuve et la forteresse. Cet imposant édifice construit au Moyen-Âge a été pendant plus de 5 siècles la résidence des princes-évêques de Würzburg. Un château remanié qui mélange plusieurs époques qui vont du médiéval à la Renaissance. Et sur sa terrasse, on bénéficie d'une superbe vue sur la ville et les environs. Bonne journée à Würzburg, une étape qui valait vraiment le détour. Une belle et bien sympathique ville. Cette ville est l'un des points de départ de la réputée route romantique qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. On vous dit donc à bientôt pour partager de nouvelles expériences de voyage.